Avant que l'épisode commence, j'aimerais vous dire, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette série ou plutôt ce let's play, car oui, c'est le dernier épisode d'Undertale. Donc, si vous avez aimé ce let's play, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne. Ouais, ça fait toujours plaisir, on est 84, on est baissé de 2 abonnés, ça fait moins plaisir de descendre d'abonnés, c'est voilà. Donc, voilà. Ok, bon épisode. Salut à tous, à toutes, c'est à quoi le temps tu t'es aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode d'Undertale. Hier, on a tué Asgore, et regardez ce qui se passe. Undertale, et on va mettre le jeu en cran. Jadis, les humains et les monstres, un jour, c'est pas le même monstre. Mon jeu a bugué. Ok. La fin. Oula, sauvegarde effacée. What the fuck, c'est pas ça. Coucou, c'est ma forêt. Forêtage, je te donne une sueur chaudonne. Tu as mis la sarate et ce jeu stock. Sans toi, je serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort. Et j'ai les âmes humaines. Ma vache, ça fait aussi longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en noir. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne m'en manque qu'une avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs, les humains, tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour toujours. Mais t'en fais pas. Ton vieil ami Fouet, il en a bricolé une pour toi. Je sauverai juste avant ta mort. Pour que tu puisses me voir te détruire en boucle, t'en réduire en bouillie sanguillonnante. Encore et encore et encore. Je regrette de ne pas avoir tué les monstres. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu es vraiment stupide. Et voilà le vrai monstre, le boss final de la route note et non de la voix pacifiste. Je voulais prendre la voix pacifiste car Fouet me faisait vraiment peur parce que je n'avais pas envie de me battre. Voilà pourquoi je voulais pas le battre. Je suis level 1. Wow, wow, wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah ! Mais Jean, c'est impossible ! C'est impossible, Jean ! Game over. C'est juste un mauvais rêve. Oui, ben j'espère. Et tu ne t'en réveilleras jamais. Ok, c'est parti pour le deuxième épisode de Dante. Qu'est-ce qui se passe? Tu croyais vraiment que je ne me satisferais pas de te tuer une seule fois? Oh, t'es chiant! En fait, on a un trop de petit espace. C'est ça le problème. Mais il est moche! Regardez comme il est moche!
Jamais on a vu ça sur Undertale. Wow, wow, wow. T'as vu ça sur Undertale, bon? Toi t'as vu ça, t'as jamais vu ça, toi. Undertale, c'est pas ça. Je peux faire les pixels, s'il vous plaît. Les pixels. Danger. Ok, un danger bleu. Je crois que c'est le couteau. Ouais, c'est ça. Ok, là-bas, il y a l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Oui! Oh, ça fait du bien. Mais c'est pas possible, c'est pas un mot ça! Ça! Putain, c'est quoi ce délire? Aidez-moi! Danger! Yes! C'est quoi ça? Ok. À l'aide, à l'aide. Oui. Vite, vite. Non. Ça va, ça va, ça va. J'en ai marre de ce monstre. Aide-moi. Putain. Danger. Ok, un autre danger. Ce que vous entendez derrière, je suis désolé si vous entendez ce qu'il y a derrière. Merde. Yes. Non, putain. Mais j'ai aucune arme! C'est ça le pire en fait! C'est pas parce que... On va mourir, on va mourir, on va mourir! Déjà, on n'a plus qu'un PV! Game over, ouais bon, on me connaît. Oh les gens! C'est quoi ce monstre? Alors je crois qu'on... On a fait un putain de défi sans se rendre compte en fait, je viens de me rendre compte. Ok, pourquoi Skype s'est allumé, je ne sais pas. Qu'est-ce que Skype fout ici? Pathétique. Pathétique, maintenant tu vas vraiment mourir. Ok. Ça va, on revient pas au départ, on revient je sais plus où. Je crois que c'est après un danger. Je crois que ça sauvegarde après un danger en fait. Ouais voilà, ça sauvegarde après un danger. On revient au départ là. Les insectes. Je déteste les mouches. Je sais pas pour vous, mais je déteste les mouches. Parce que après, ça pond des œufs dans votre viande, c'est dégueulasse. Oh 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 oh. Ah je déteste ça, ça c'est horrible. C'est moche plus. Vous avez déjà dit que c'était moche ? Danger violet. C'est quoi ça? Ah ouais d'accord. Ah oui c'est les mots. Genre meurtre, d'erreur, haine, ruine, meurtrier, détruire, action, horreur, tristesse, isolation, terreur. Ok hop. Ok là c'est des mots d'amour. Wow. Arrête. Putain, j'en ai marre. Arrête, screamer. C'est un screamer. Alors je sais qu'il y a une map Minecraft pour combattre Flouet.
Mec, y a un danger là. Y a action, action. Oui. C'est quoi ça? C'est des notes? C'est des notes de me fête? Non. Mais, mec, on utilise 25 flèches à chaque fois. C'est pas possible. J'ai aucune arme, j'ai pris la voix pacifiste, moi, j'ai pas demandé ça, moi. C'est quoi ça? What the fuck? Ouais, action. Putain. Oh oui, de l'amour. Oh, de l'amour. De la tendresse. Oh, c'est chaud de récupérer. Oh non. Oh oui, mes amis. C'est mes amis. J'aime bien le bleu. Regardez, le bleu, j'aime bien. Oh oui. Oh merci les amis. Oh oh, la défense de Flora est tombée à zéro. Ok, alors là, le jeu refuse qu'on perde. Là on peut pas perdre. Si on perd, ça veut dire qu'on est vraiment une merde. Parce qu'il y a les âmes qui nous aident. Non. Eh, cette musique est géniale. Ah, oh, j'adore cette musique. Allez, 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 on est bientôt à la fin. Non, ça va mordre des millions de fois. Oui. Oui, oui, oui. On a battu feu, les amis. Non, non. Ce n'est pas possible. Ouais, bah, je suis normal. Espèce fils de chat, j'ai... D'accord. Espèce d'imbécile. Tu crois vraiment que tu pourras me battre? Je suis un dieu en ce monde et toi, tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Et oui, c'est exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aidez-moi. Tu verras à quel point c'est utile. Vous appelez à l'aide. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Quoi? Et comment t'as... Bah... Je vais juste... Échec chargement. Mes pouvoirs, ils sont...
Les âmes? Qu'est-ce qu'elles font? Non! 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 Vous ne pouvez pas faire ça! Vous êtes censé mourir! Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! Ouais, et l'aspirateur derrière moi, c'est génial, merci beaucoup. C'est le moment le plus difficile de ce let's play. Soit on tue Fleuret, soit on combat. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non. Mais Pernier ne changera rien. Me tuer est la seule façon d'en finir. Si tu me laisses en vie, je reviendrai. Je te tuerai. Je tuerai tout le monde. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à m'épargner? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Fleuret prend la fuite. Et voilà, les amis. C'est la fin de ce let's play. Enfin, pas encore pour l'instant. On a fait un putain de défi sans se rendre compte. On a fait tout le jeu Undertale sans tuer une personne. Undertale. Par Toby Fox. Taming Shadow. C'est la fin du jeu, les amis. Franchement, faire ce défi, c'était pas compliqué. Non, je déconne. J'ai même pas fait un défi, je voulais juste prendre la voix pacifiste et finir avec Fleuret, certes, mais pas avec Fleuret. Avec quelqu'un d'autre. Ring. Salut, salut, il y a quelqu'un? Bon, je vais juste laisser un message alors. Et bah, ça fait un bail. La reine est revenue et règne maintenant sur l'autre monde. Elle a mis en place une nouvelle politique. Les humains tombant ici ne sont plus traités comme des ennemis, mais comme des amis. C'est probablement mieux comme ça, de toute façon. Les âmes humaines que le roi avait rassemblées, on dirait qu'elles ont disparu. Donc, ce plan m'a l'air un peu mort pour le moment. Mais même si les gens ne remettent pas de ce qui arrive au roi, et que ça s'annonce un peu fichu pour notre libération, la reine fait de son mieux pour nous faire garder espoir. Donc, ouais, si on n'abandonne pas de notre côté, n'abandonne pas où que ce soit, d'accord? Qui sait combien de temps ça nous prendra, mais on finira par sortir d'ici. Sense! Mais à qui est-ce que tu parles? Oh, personne? Pas mort? Personne? Je vais lui parler moi aussi! Tiens, fais-toi plaisir. Attends une seconde. Je reconnais ce numéro. Hé, hey, l'humain! Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Enfin, il y a bien un truc qui me tracasse. La reine a disons, la garde royale, puisque n'a plus besoin de combattre les humains. Waouh! Je sais absolument pas quoi faire de ma vie. Mais c'est pas grave, parce que je travaille toujours d'arrache-pied. Même si ça ne m'avance absolument rien. Alors, ne t'en fais pas pour moi. Papyrus va bien. Pour le coup, c'est Adine qui l'a dans l'os. Elle a perdu son boulot et sa maison. C'est triste, mais on prend bien le soin d'elle. Elle vit sur notre canapé maintenant. Du coup, chaque nuit, elle est comme une soirée pyjama. Une soirée pyjama qui ne s'arrête jamais. Oh, et on lui a trouvé un job aussi. Ça l'a embauché dans son stand de hot dog illégal. Elle déteste ça. Même si elle est sacrément douée. Ah, aussi.
Elle te tient toujours responsable pour la disparition d'Asgore. Elle me parle beaucoup. De sa ferme intention de se venger de toi. Son plan est pour le moins insensé. Elle veut franchir la barrière et te passer un tabac. Pour être honnête, je pense que c'est impossible. Le contraire me ferait bien plaisir, cela dit, parce que je veux l'accompagner. Comme ça, je pourrais te revoir. Même si je devrais te combattre ensuite. En tout cas, garde les doigts croisés. Et reste en contact. Ça nous facilitera la vie. Au revoir. Fouet. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu épargné? Je ne te rends pas compte de jouer en gentil. Ne t'apporte que des misères. Regarde-toi. Tu t'es fait tous ces amis géniaux. Et maintenant, tu les reverras probablement plus jamais. Sans parler du fait que ton passage a totalement changé leur monde. Ça fait mal, n'est-ce pas? Si tu avais fait tout ce chemin sans t'occuper de personne, tu ne te sentirais pas aussi mal. Alors je ne comprends pas. Si tu avais vraiment tout fait comme il fallait, pourquoi les choses doivent-ils finir ainsi? Pourquoi la vie est-elle toujours si injuste? Et si je te disais que je connais une façon d'avoir une meilleure fin, tu devrais charger ta sauvegarde. Et bien au passage, pourquoi n'irais-tu pas voir Papyrus puis Undine? Vous aurez certainement pu devenir bon ami, mais qui sait, peut-être qu'elle possède la clé de ton bonheur. À plus tard. Qu'est-ce qu'on fait ici encore? Je pensais que ce fleuret allait se... Eh ben, je crois, les amis, qu'on va partir. Je crois, les amis, qu'on fera ça en live. On va tout recommencer. On a battu Fleuet. On a tué personne. Je crois que ça c'est fini. Oui, c'est fini. Ouais, parce que ça c'est l'épisode d'avant. D'hier. On va tuer personne. On va recommencer. On va prendre la voie pacifiste. Et oui, les amis, j'ai décidé de reprendre la voie pacifiste. Ou quoique, on prendra la voie neutre pour recombattre Fleuet. Et voilà. On va reprendre la voie neutre pour recombattre Fleuet. Et je crois que le live est déjà passé pour combattre Fleuet. Je ne sais pas encore si le live est passé. L'épisode 15 c'était mercredi, je crois. Mais aujourd'hui on est vendredi. Je ne sais pas. Mais je crois que oui, c'était mercredi. Du coup, ouais, c'était mercredi. Donc là aujourd'hui on est vendredi, si je dis pas de conneries. Du coup, bah, un live tout à l'heure, sûrement. Je ne sais pas. Mais il y aura sûrement un live tout à l'heure pour reprendre la voie neutre en live. On va faire tout le jeu en voie neutre. On va tuer les personnes qu'on veut. Donc, les personnes les plus chiantes. Je pense à Undine et à Muffet. Faites gaffe, les gars. Je crois que je vais vous tuer. Ou encore, voilà. Donc, on va prendre la voie neutre. Cette fois-ci, on va tuer tous les monstres qui nous passera devant... Enfin, sauf certains, les plus chiants surtout. Et voilà. Donc voilà, je vais vous dire au revoir et à bientôt. Ou plutôt, à tout à l'heure pour le live. Allez, ciao tout le monde.